Voice. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quels sont vos sentiments par rapport au décès de Momo Wandesuma? Ben, c'est une perte pour la famille Souma et ça nous dit aussi sa génération parce que moi je l'ai connu en tant que petit pied. Et comme par hasard, je pense que nos liens se sont tissés au sein de l'équipe nationale, même si on occupait le même poste, il y avait toujours ce respect réciproque. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'accompagner à sa dernière visite. Parce que c'est quelqu'un qui restera pour moi un ami fidèle, c'est un frère aussi. Et je dirais aujourd'hui, ce serait une perte pour notre académie parce qu'on a commencé ce projet ensemble, ça fait 3 ans. On passait quasiment la journée ensemble. Maintenant, nous les anciens, surtout j'ai pris l'engagement de m'occuper de ces enfants qui font partie de l'académie. Et après maintenant, prions que le bon Dieu l'accorde au paradis. Peut-on dire que c'est une grande perte pour le football guinéen, la disparition de Momo Wandel? Pour le football guinéen, oui, parce que c'est quelqu'un qui était toujours dévoué pour la formation. Moi, je me rappelle quand j'étais au département, on s'est battu, il est parti faire des stages au Brésil. Et il y a quelques mois en arrière, on a passé la licence ensemble. Je pense que tout ça prouve vraiment que c'était quelqu'un qui partait à la conquête du savoir. Et après, si c'est une perte pour le football, nous savons déjà qu'il y a beaucoup de clubs qui l'ont abandonné. Et nul noté sa fidélité. Je pense que là, nous, on l'a tendu la main. Je pense qu'il nous a rendu. Attirer la couverture ce soir. Mais je dirais vraiment, moi, c'est une grosse perte pour notre académie, surtout pour la formation. Merci, monsieur.